Salut! Dans ce nouveau numéro de Wetsin, l'arrivée des cinémas bizarres, concurrents directs de Tokyo Hotel, ainsi que le R&B de charme de Marc-Antoine, qui cartonne en ce moment. Allez, Wetsin, c'est parti! Tokyo Hotel n'a qu'à bien se tenir. Voici Cinéma Bizarre, de dangereux rivaux, issus aussi d'Allemagne, faisant dans le rock hyper efficace, avec des looks manga japonais. Cinéma Bizarre est un vrai phénomène européen, mais eux chantent en anglais, et font un rock glamour aux mélodies imparables. Découverte! Hello, we are Cinema Bizarre and you are watching What's In. Chacun d'entre nous avons nos propres goûts musicaux. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique des années 80. J'aimais beaucoup Depeche Mode. Ceci parce que mon père écoutait beaucoup de pop et de Depeche Mode. C'était un challenge pour nous de combiner tous nos goûts musicaux. C'est vrai que le son de Cinéma Bizarre, c'est vraiment nous cinq réunis. Nous avons tous nos influences musicales. Et chacun est très différent. Donc il nous a fallu pas mal de temps pour trouver le son de Cinéma Bizarre. Et au final, on est quand même très content du résultat. Très fier même. Il n'y a pas vraiment de manière pour qu'une chanson arrive. Des fois ça vient avec la musique, des fois c'est le texte. À chaque fois c'est différent. On a également travaillé avec des compositeurs. Et c'était difficile, car on en a rencontré beaucoup. Et il fallait qu'il y ait une vraie connexion entre eux et nous. C'était un risque, car on risquait de perdre notre identité. Il fallait vraiment trouver des auto-compositeurs qui comprennent Cinéma Bizarre, qui nous étions. Il fallait vraiment qu'ils soient en phase avec nous-mêmes et qu'ils avaient envie de le faire. On a beaucoup collaboré avec eux car on voulait vraiment une unité. C'était des gens très cool et ça a été une super expérience. Je pense que la chose la plus difficile, ça a été vraiment de combiner nos cinq personnalités. Nous avons des caractères très forts, nous avons beaucoup discuté. Des fois j'aime une chanson qu'un autre membre n'aimera pas. C'était vraiment difficile d'arriver à ce résultat final. Il y a eu beaucoup de chansons qu'on n'a pas gardées. On a eu une chanson de Malcolm McLaren. C'était un grand honneur pour nous. Je suis un grand fan des Sex Pistols. Mais on n'a pas pu la garder parce que ça n'allait pas avec Cinéma Bizarre. Ça n'était pas ce que nous recherchions. Mais c'était un grand honneur que Malcolm McLaren s'intéresse à nous. Mais au final, il fallait vraiment qu'on trouve les chansons sur lesquelles on disait tous « c'est ok, c'est bon pour l'album ». Nous étions sûrs d'utiliser « Love Song » d'I Kill Me comme premier single. C'est une chanson qui a beaucoup d'énergie. Et c'est une chanson assez différente de tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Nous l'aimons beaucoup.
C'est une chanson dans laquelle il y a beaucoup d'émotions et de profondeur. Et je pense que la mélodie est très belle. Et c'était vraiment la chanson idéale pour démarrer le voyage musical avec Cinéma Bizarre. C'était très difficile de transposer notre album sur scène, car il est très produit. Mais c'était un beau challenge. Et je pense que pour la scène, il est toujours important d'offrir quelque chose de différent au public. Il fallait plus d'énergie et quelque chose de plus live. Yeah.